Donc c'est une journée où on emmène, là on a à peu près 220 élèves, donc on les emmène sur l'île de Tintamarre et c'est une journée importante parce que pour eux c'est souvent une découverte de la navigation parce que pour la plupart ils n'ont jamais fait de bateau. C'est une journée aussi de décompression et pédagogique sur l'île de Tintamarre et enfin, qu'ils découvrent pour la plupart. Nager, regardez mes camarades. On s'amusait, on est allé dans le l'eau, on a fait du volley, on a fait du badminton, on a mangé. Ils nagent, ils font du paddle, ils naviguent. Pour la plupart, ils conduisent même les bateaux. Et donc, au bout de cette journée, ils ont vu leur île depuis la mer, ce qui n'a pas arrivé à plusieurs d'entre eux. Et donc, ils nagent, ils prennent le goût de la mer. Et surtout, ils voient leur prof la première fois en maillot de bain. Profite de cet événement justement parce que les enfants viennent sur la réserve naturelle. Donc le rôle de la réserve naturelle dans le pôle éducation de l'environnement est d'expliquer à la jeune population à quoi sert la réserve naturelle et on va dire après aller un petit peu plus dans le détail, expliquer la faune, la flore, les écosystèmes. Et il protège aussi, vous voyez, ces grosses taches noires que vous voyez dans l'eau. C'est quoi ? Parce qu'il y en a, ils habitaient à Saint-Martin, ils ne savaient même pas que peut-être Tintamarre existait. Puis comme ça, ça fait un jour de sortie, de détente. L'État nous accorde une subvention pour cette journée et ainsi que la collectivité qui participe. Et donc financièrement, nous sommes arrivés à un point on arrive financer chaque année. Ça, c'est la première chose qui est importante parce que sans ça, rien ne marche. Et deuxième, c'est maintenant la volonté des opérateurs d'offrir aux enfants une journée comme ça sur leur bateau, sur leur savoir-faire et de reprendre ce que c'est la mer, ce que c'est la navigation et le bateau. Est-ce qu'on joue ou on va faire quelque chose comme ça pour ramasser les déchets cette fois-ci? Parce que moi, je vais voir mes enfants plus tard, tu vois, et je vais voir les enfants de mes enfants. Produit cette année encore une fois le Discovery Day à Tintamarre et ça permet à beaucoup d'enfants des quartiers prioritaires, donc quartier d'Orléans, Sandy Ground et également Concordia, hein, puisqu'après l'ouragan Irma, on peut dire que tout Saint-Martin serait un quartier prioritaire, et bien de découvrir l'environnement par la mer, les côtes et de rallier une île où à mon avis certains d'entre eux ne viendront jamais. Aller faire du paddle entre les bateaux. C'est super parce qu'il y a beaucoup de paysages à regarder. On voit beaucoup d'îles aux alentours. Et voilà, en plus moi c'est une première fois pour moi, sachant que je viens pas d'ici. Donc pour moi c'est un bonus.
Thank you.